Le 9 décembre 1531, un paysan mexicain du nom de Juan Diego voyageait en direction de l'église quand la Sainte Mère lui apparut. Elle lui avait dit qu'elle voulait qu'une chapelle soit construite sur le lieu de son apparition et que Juan devait aller transmettre ce message à l'évêque. Donc il est allé le dire à l'évêque, mais l'évêque avait demandé à Juan de dire à la dame de lui donner un signe pour être sûr que ça venait vraiment de Dieu. Donc Juan Diego est revenu dire à la Sainte Mère que l'évêque voulait un signe. Celle-ci lui dit de rassembler des roses, de les placer contre lui, dans sa tilma, son manteau, et de les présenter à l'évêque. Quand il a pris ses roses, il les a mis dans son manteau et il est allé retrouver l'évêque. Ce qui s'est produit alors, c'est que l'image de Guadalupe est apparue sur le manteau. Voilà donc l'incroyable image de Guadalupe. Elle fut sujette aux pluies, à des inondations, tremblement de terre. En 1921, quelqu'un plaça une bombe en dessous. Elle explosa, mais l'image resta intacte. Le manteau est fait d'une matière qui aurait dû se décomposer à partir de 50 années. Ça aurait dû disparaître 100 ans après. Le matériau utilisé, ce qui ressemble à des couleurs, est inconnu de la science. Il n'y a pas de preuve de sous-piqûre, ni de croquis, ni de dimensionnement. Et sans dimensionnement, ça le rend humainement impossible à peindre sur une surface dure. Il n'y a pas de vernis de protection. La peinture aurait dû être abîmée depuis longtemps, surtout devant une exposition à long terme de fumée, de bougies et autres polluants. Il n'y a ni fissure ni craquelure. C'est incroyable quand on considère que c'est comme ça depuis 483 ans. L'emplacement des étoiles n'est pas un hasard, en tout cas pas selon les astronomes. Les étoiles correspondent à 46 étoiles et 14 constellations, tandis qu'elles sont dans la position du ciel à l'aube un 12 décembre. Et le 12 décembre, c'est le jour où notre Sainte Mère imprima son image sur la tunique. Il y a quelques années de ça, les yeux subirent de très importantes recherches scientifiques en utilisant la technologie informatique. En amplifiant la taille des yeux, 2500 fois plus que la taille de 7 huitièmes de millimètre, les chercheurs ont trouvé ce qui apparaît être le portrait de Juan Diego dans l'œil droit. Et entre 1532 et 1548, vous aviez 9 millions de gens au Mexique qui s'étaient convertis à la foi catholique. Donc on a perdu 5 millions de gens à cause de la réforme protestante en Europe, mais on a presque doublé ce chiffre au Mexique. 20 millions de gens viennent du monde entier pour voir l'image de Guadalupe. En 1917, la Sainte Mère était apparue à trois jeunes enfants, Lucia dos Santos, Francisco et Jacinta Marto. Elle avait demandé que les gens prient le rosaire et avait montré aux enfants une vision de l'enfer. Les petits enfants voulaient qu'un miracle soit effectué par la Sainte Mère, pour que tous croient qu'elle était bien apparue. Notre Sainte Mère avait dit qu'elle effectuerait un miracle et que ce serait le 13 octobre 1917, à midi. C'était la première fois, depuis la résurrection, qu'un miracle avait été prédit d'avoir lieu à une certaine période et lieu. Donc en ce 13 octobre, 75 000 à 100 000 personnes s'y étaient rassemblées, avec de la boue jusqu'aux chevilles. Il s'y trouvait des athées, des sceptiques, des francs-maçons, pour se moquer du miracle, car ils pensaient que celui-ci ne se produirait pas. Mais quand vint midi, le miracle se déroula comme convenu. Le soleil commença par faire des mouvements contraires aux lois naturelles. Il fit des rotations pendant 12 minutes, et ensuite il plongea en direction de la Terre. Tout le monde pensait que c'était la fin du monde. Et dès qu'il fut sur le point de frapper la Terre, il revint à sa position normale dans le ciel. Des malades avaient été guéris lors de ce miracle. Un second miracle, c'est que leurs vêtements et le sol étaient restés secs malgré la pluie battante. Un ingénieur enquêta et dit que la quantité d'énergie nécessaire pour sécher tous les vêtements, ainsi que le sol, aurait dû être équivalent à une bombe de 12 mégatonnes. Mais si c'était arrivé, bien sûr, tous ces gens auraient été brûlés à mort. Notre Sainte Mère à Fatima a prédit que la Russie répandrait ses erreurs à travers le monde, et à cette époque, la Russie était le troisième pays le plus faible du monde. Elle a mentionné qu'une autre guerre plus horrible se déroulerait durant le règne de Pie XI. Pie XI n'était pas encore pape à cette époque. Elle mentionnait que nous saurions quand Dieu punirait le monde, lorsqu'on apercevrait une lumière inconnue. Et cette grande lumière fut aperçue le 25 janvier 1938. Elle avait illuminé le ciel d'Europe pendant 5 heures, partout en Europe. À tel point que ceux qui se trouvaient en Suisse
pouvaient lire leur journal en pleine nuit, à 23 heures. Et la seule façon pour que l'homme puisse reproduire ce genre de phénomène, c'est par une explosion atomique. Quarante-sept jours après cette étrange nuit illuminée par une lumière inconnue, Hitler envahissait l'Autriche. Notre-Dame avait dit qu'elle essaierait d'éviter ses punitions, qu'elle demanderait au pape et aux évêques de par le monde de consacrer la Russie à son cœur immaculé. Elle a demandé à ce que le troisième secret soit révélé au plus tard en 1960, mais ce n'est pas arrivé. Elle a demandé la communion réparatrice les premiers samedis du mois. Après que Jacinta soit décédée, son corps fut exhumé en 1951. Il avait été retrouvé intact, parfaitement incorrompu. Et il y a des centaines de corps restés intacts, parfaitement incorrompus. Un exemple, c'est le corps de Catherine Labouré. Elle avait vu notre Sainte Mère qui lui avait donné la médaille miraculeuse. Des milliers de miracles lui sont attribués. Elle est morte en 1876 et son corps est parfaitement incorrompu. Il y a aussi Bernadette Soubirous qui a vu les apparitions de notre Sainte Mère à Lourdes, en France, où des millions de gens viennent chaque année prier. Des miracles sans fin se sont passés. Bernadette est morte en 1879 et son corps reste parfaitement incorrompu. Il n'y a pas que des corps qui soient restés intacts. On trouve aussi des scapulaires. Saint Alphonse est mort en 1787. Son corps et ses vêtements sont retournés à la poussière, mais son scapulaire brun est lui resté parfaitement intact. En fait, une analyse a même prouvé qu'il n'a reçu aucun traitement spécial. Voici un scapulaire brun donné par notre Sainte Mère à Saint Simon Stock en 1251. Des milliers de miracles lui sont attribués. Il y a à peu près 16 000 saints canonisés dans l'Église catholique. Et pour qu'une personne soit déclarée sainte, ils ont besoin d'au moins trois miracles. Et ça ne doit pas être juste de simples miracles. Ça doit être des miracles vérifiables, où des docteurs témoignent. Les gens témoignent sous serment. Et l'Église catholique fait très attention avant de dire que quelqu'un est un saint. L'Église catholique est la seule Église disposant d'une histoire de miracles ininterrompue depuis le début dans toute l'histoire de l'humanité. Saint Vincent Ferrier. Celui-ci a converti 200 000 personnes à la foi catholique, fait ressusciter 30 personnes mortes, et selon une estimation, il a plus de 40 000 miracles à son actif durant sa vie. Et quand il fut canonisé et fait saint, presque 1000 miracles avaient été utilisés pour sa canonisation. Padre Pio est un autre mystique de notre époque. Il portait également les stigmates jusqu'à sa mort en 1968. Pendant 50 ans, il a porté visiblement les stigmates. Padre Pio avait plusieurs dons. Il pouvait vous dire quand vous étiez allé en confession pour la dernière fois, votre vie, vos péchés. Il a été aperçu à travers le monde. Il a fait des milliers de miracles qui ont été remplis en 54 volumes. Et depuis sa mort, en 1968, il a continué à faire des miracles. Mais le miracle le plus intéressant de sa vie concerne une Italienne qui a maintenant 40 ans. Celle-ci était née sans pupille. Elle n'a toujours pas de pupille. Elle est allée avec sa grand-mère voir Padre Pio pour lui demander un remède. Padre Pio lui répondit en la bénissant. Et celle-ci peut voir. Elle continue de voir, même maintenant, sans pupille dans ses yeux. Il est anatomiquement impossible de voir sans pupille, mais elle peut voir aussi bien que n'importe qui. Nous avons aussi des vidéos sur des exorcismes. Si les gens ne croient pas au diable, ils devraient y jeter un coup d'œil. Non seulement ces séquences sur les exorcismes prouvent l'existence du diable, mais elles montrent comment la dévotion envers la Sainte Mère de Dieu marche. Comment le diable haït le rosaire. Thank you.